Bienvenue, Monsieur Hugo. La solution que nous vous proposons passe par l'utilisation de Moodle, et plus précisément par l'activité devoir, et vous allez voir dans ce qui suit les détails de cette activité. La première étape, ça revient à la conception du travail demandé, puis à l'envoi du sujet de ce travail aux étudiants. Les étudiants vont recevoir cette description du travail, ils vont préparer leur devoir, puis ils vont vous le soumettre à travers Moodle tout le temps. Vous recevrez ce travail, et puis c'est à vous de corriger le travail et les copies qu'on vous remet, puis de déclarer la note et puis de retourner les annotations. Alors, pour découvrir les paramétrages de devoirs dans Moodle, on vous propose dans ce qui suit une explication détaillée des paramètres à régler pour la création d'un devoir dans Moodle. Vous trouverez un tableau de 11 liens qui vous permettent de choisir le bloc de paramètres que vous désirez explorer. À la fin de chaque bloc des paramètres, un lien vous permet de revenir à cette table si vous ne voulez pas continuer directement vers le bloc suivant. Alors, dans ce paramétrage, le premier bloc qui est intitulé Généraux, il concerne le nom du devoir. Et là, on vous demande de donner un nom à votre devoir. Ce nom sera visible aux étudiants qui pourront cliquer dessus pour voir les détails du devoir et, le cas échéant, rendre leur travail aussi. Alors, on vous conseille de donner un nom qui est significatif ou qui décrit en partie la spécificité du devoir. Le deuxième point, c'est la description ou consigne du devoir. La description du devoir devrait inclure des instructions précises pour les étudiants au sujet de la forme du rendu, des critères de notation, etc. Alors, vous pouvez utiliser cette zone pour expliquer aux apprenants tout ce qu'ils devraient savoir sur ce que vous attendez d'eux. Alors, d'une façon générale, plus vous donnez d'informations sur ce point, moins vous verrez surgir des problèmes et des questions chez vos étudiants pendant leur travail. Ce champ doit aussi être utilisé pour fournir les informations ou les ressources sur lesquelles le travail doit porter. On peut aussi, dans ce champ-là, indiquer les dates clés pour la remise du devoir et la limite de la date pour remettre le devoir. Il faut aussi mentionner la possibilité d'ajouter un fichier décrivant le travail ou en complément comme ressource pour le travail là. Ce fichier, on peut donc le placer dans la zone qui est réservée, qui est indiquée ici. Et puis, un dernier point, il faudrait toujours cocher un peu la case afficher la description sur la page de cours pour que les étudiants voient la description. Deuxième bloc, ça concerne la disponibilité du devoir. Alors, la première rubrique, c'est autoriser la remise dès le. Les étudiants ne pourront pas remettre leur devoir avant cette date lorsque vous cochez la case activée. Utilisez les listes déroulantes pour choisir les jours, mois, années et éventuellement horaires. Alors, on vous recommande d'éviter l'horaire 0000 parce que c'est une date frontière entre deux jours et ça prête à confusion. Donc décalez au moins d'une minute pour rendre les choses plus claires. Si vous ne cochez pas les cases activées, les champs seront grisés et leur contenu ignoré. Dans ce cas, les étudiants pourront déposer leur travail dès que le devoir sera visible, donc l'œil sera ouvert. Le deuxième point, c'est la date de remise. La ligne date de remise permet de choisir la date du délai de remise du devoir. Les devoirs remis après cette date seront marqués en retard. Pour empêcher la remise de travaux après une certaine date, vous pouvez aussi ajouter date limite. Si cette date limite est indiquée, le devoir n'autorisera aucune remise de travail après ce délai, sauf octroi d'une prolongation spéciale. Toutefois, l'étudiant ne connaît que la date de remise
et non la date limite. Il ne pourra donc pas modifier ou déposer son devoir après cette date. Le professeur aurait intérêt à spécifier cette date, par exemple, dans la description du devoir, surtout s'il permet les remises en retard. Et là, donc, il va prendre des mesures spécifiques au devoir remis avec un retard. Il enlève des points ou tout ce qu'il veut comme consigne spécifique à cet état-là. L'autre rubrique, rappeler d'évaluer après. Cela permet d'afficher sur le tableau de bord de l'enseignant maintenant un rappel de la date pour évaluer les devoirs. Alors, cette description, il faut toujours veiller à l'afficher. Le paramètre toujours afficher la description contrôle le moment où les étudiants pourront voir les consignes. Si la case est cochée, les étudiants pourront voir la description, même si la date de remise n'est pas arrivée. On peut alors donc choisir texte en ligne, et dans ce cas-là, ce type de devoir permet aux étudiants de composer un texte directement en ligne en utilisant l'éditeur intégré dans Moodle. Et ça permet plus loin un peu de donner le feedback par commentaire. Il faut choisir donc feedback par commentaire concernant ce travail-là. Alors, l'interface aussi vous donne la possibilité de limiter le nombre de mots que peut écrire dans ce texte remis en ligne. Vous avez par la suite le nombre de mots pardon, qu'on peut ajouter dans ce choix-là. Deuxième choix, c'est remise de fichiers. Alors, ce type de devoir permet aux étudiants de déposer tout type de fichiers numériques, donc c'est du texte, c'est des images, c'est des tableurs, tout ce que vous voulez, après quoi l'enseignant pourra ouvrir le fichier déposé, attribuer une note, ajouter un commentaire et remettre le fichier corrigé à travers l'interface Moodle. Alors, pour ce choix-là, on vous donne la possibilité de limiter le nombre de fichiers, donc vous pouvez choisir le nombre de fichiers à remettre, donc 2, 3, etc. Vous pouvez même l'indiquer dans la description du devoir au départ. Et puis, vous avez la possibilité aussi de fixer la taille maximale des fichiers, pour qu'il n'y ait pas des fichiers énormes de vidéos ou d'images qui sont en volume. Et là, donc, il y a une taille maximale qui est fixée par la plateforme elle-même, donc par l'administrateur, mais vous avez d'autres choix de taille que vous pouvez choisir à ce niveau-là. Bien, sur le type de feedback, donc sur ce bloc-là, il y a trois choix, hein, et ces paramètres contrôlent les rétroactions que l'enseignant pourra retourner aux étudiants. Alors, cocher tous les paramètres peut être utile, car la possibilité de mettre des commentaires ou de joindre un fichier ne crée pas une obligation et évite de revenir sur les paramètres si besoin se présente. Donc vous pouvez les cocher tous les trois. Alors le premier qui est feedback par commentaire, si ce réglage est activé, l'évaluateur pourra donner un feedback sous forme de commentaire pour chaque travail remis. Lorsque maintenant on a demandé un texte en ligne, il est nécessaire de choisir commentaire en ligne. Dans ce cas, le texte remis par l'étudiant sera copié dans le champ de commentaires de feedback durant l'évaluation, rendant plus facile avec l'éditeur HTML les commentaires ou la modification du texte original. Donc ça, c'est une première remarque. Pour le fichier de feedback, si ce réglage est activé, l'enseignant pourra déposer des fichiers comme feedback lors de l'évaluation des devoirs. Ces fichiers peuvent être par exemple les travaux des étudiants annotés, des documents avec des commentaires ou des feedbacks audio même. L'autre option, c'est formulaire d'évaluation hors ligne. Si ce réglage est activé, l'enseignant pourra télécharger un formulaire avec la liste des étudiants pour noter ou mettre des commentaires, sans nécessairement être connecté à Moodle. Puis, une fois que c'est rempli, il peut remettre ou déposer ce fichier-là sur Moodle. Alors, pour le réglage de la remise des travaux, la première option, c'est exiger que les étudiants cliquent sur le bouton « Envoyer ». Si vous activez ce réglage, les étudiants pourront déposer un fichier sans que celui-ci
ne soit considéré comme prêt à évaluer. Il devra cliquer sur un bouton « Envoyer » pour évaluation pour indiquer que leur devoir est complet. Dans l'intervalle, le devoir sera marqué comme bruyant dans le tableau de remise. Alors, ce mode est principalement utile pour trois situations. La première, c'est les étudiants doivent remettre plus d'un fichier et Moodle ne doit pas indiquer que le travail est prêt à évaluer tant qu'ils n'ont pas remis tous leurs fichiers. On laisse alors aux étudiants le soin de spécifier eux-mêmes quand le devoir est prêt. La deuxième situation, c'est les étudiants qui doivent rédiger un texte en ligne, donc type de remise, texte en ligne activé dans ce cas-là, et on veut leur donner la possibilité de le faire en plusieurs séances et d'enregistrer là où ils sont rendus entre chaque séance de rédaction sans que l'enseignant n'évalue une version incomplète par inadvertance. Le troisième cas, c'est quand on veut donner l'occasion aux étudiants de remettre un brouillon en attendant la version finale avec la possibilité que l'enseignant donne ou non une certaine rétroaction sur le brouillon avant la version finale. Alors, dans tous les cas, sachez que l'enseignant peut en tout temps imposer manuellement l'état brouillon ou l'état final à tout devoir remis, peu importe l'état dans lequel l'étudiant l'a laissé. Ce peut être pratique pour corriger un oubli de la part d'un étudiant ou une erreur de manipulation. La deuxième option, c'est demander aux étudiants d'accepter l'énoncé de remise pour tous les devoirs. Si vous activez cette option, c'est une option anti-plagiat en quelque sorte, les étudiants devront accepter un énoncé selon lequel ils l'ont fait et ils ont fait leur travail en tout respect des règles de l'institution au regard des emprunts à d'autres auteurs au moment de remettre leurs devoirs. C'est un substitut électronique à la signature d'un document portant le même engagement. Le texte est en général de la forme suivante. Ce document est le fruit de mon propre travail, excepté les extraits dûment cités de travaux d'autres personnes. Une autre option qu'on trouve dans ce réglage, c'est la réouverture des travaux remis. Alors, cette option concerne la possibilité de donner aux étudiants la possibilité de reprendre un devoir pour lequel la note accordée n'est pas satisfaisante. L'aide contextuelle de ce paramètre décrit les trois réglages possibles. Alors, premier réglage, jamais. Et alors, dans ce cas-là, le travail de l'étudiant ne peut pas être réouvert. Le deuxième cas, manuellement, le travail de l'étudiant peut être réouvert par un enseignant. La troisième option, c'est automatiquement jusqu'à réussite. Le travail de l'étudiant est réouvert automatiquement jusqu'à ce qu'il atteigne la note nécessaire pour réussir le devoir. Cette note est indiquée dans le carnet de notes, indiquée aussi dans les paramètres que l'on a sur le devoir. L'autre option nombre maximal de tentatives, ce réglage fonctionne de pair avec les précédents. Si la réouverture des travaux est possible, on devra spécifier ici combien de tentatives supplémentaires sont permises. Le réglage suivant, c'est le réglage de la remise de groupe. La première option, c'est les étudiants remettent leur travail en groupe. Si ce réglage est activé, les étudiants seront répartis en groupe, déjà, sur la base du jeu de groupe par défaut ou d'un groupement choisi. Un travail remis en groupe sera partagé par tous les membres du groupe et tous les membres du groupe verront les modifications du devoir effectuées par les autres membres. L'option suivante, c'est requis un groupe pour remettre un devoir. Si ce réglage est activé, les utilisateurs qui ne sont pas membres d'un groupe ne pourront pas remettre de devoir. L'option suivante, exiger la validation du dépôt par tous les membres du groupe. Si ce réglage est activé, tous les membres du groupe doivent cliquer sur le bouton de remise du devoir pour que le devoir du groupe soit considéré comme remis. Dans le cas contraire, le travail du groupe sera considéré comme remis dès que l'un de ses membres clique sur le bouton de remise.
L'option groupement pour les groupes d'étudiants. Les groupes de ce groupement seront utilisés pour former les groupes d'étudiants de ce devoir. Si non renseigné, cette option-là, le jeu de groupe par défaut sera utilisé alors. Alors, il y a une remarque, en mettant les groupes dans un groupement, on n'a pas besoin de dupliquer le devoir pour chacun des groupes. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, si des travaux ont déjà été remis, il n'est plus possible de modifier ce paramètre, même après initialisation du devoir. Alors, pour le bloc notification, la première option, informer les évaluateurs des travaux remis. Si le paramètre est activé, tous les évaluateurs recevront un courriel à chaque fois qu'un étudiant déposera un travail, qu'il soit en avance, à temps ou en retard. La méthode d'envoi des messages est configurable dans les préférences de l'utilisateur à la rubrique notification des messages, évidemment. Alors, on dit tous les évaluateurs, c'est dans le cas où, pour le même devoir, il y a plusieurs évaluateurs, évidemment. La deuxième option, informer les évaluateurs des travaux en retard. Ce paramètre n'est disponible que si une date de remise a été activée en ligne, date de remise. Les évaluateurs alors recevront un courriel à chaque fois qu'un étudiant déposera un travail en retard. Troisième option, réglage par défaut pour notifier les étudiants. Alors, ce réglage définit la valeur par défaut de la case à cocher « Notifier les étudiants » sur le formulaire d'évaluation de toutes les activités devoirs qui seront créées. Alors, comme remarque, cette valeur peut être modifiée sur le formulaire de chaque devoir par la suite. Alors, avec la valeur « Oui », les étudiants recevront un courriel selon les paramètres de notification des messages annonçant que le professeur à noter ou enregistrer un feedback pour leur devoir. Alors, pour le bloc notes, alors, ce menu permet justement de choisir la note maximale, l'absence de notes pour le devoir ou l'utilisation d'un barème plutôt qu'une note chiffrée. Première option, pour un note chiffrée, pour un devoir chiffré, pardon, il suffit de choisir la note maximale. Un devoir qui compte pour 30% de la note finale, pourra être réglé à la valeur 30. Vous pouvez aussi laisser le travail sur 100 et appliquer la pondération du calcul de la note finale seulement dans le tableau de notes. Pour un devoir qui recevra une rétroaction, mais pas de note, choisissez pas de note. Pour appliquer un barème, vous pouvez choisir parmi les barèmes globaux du serveur ou bâtir votre propre barème dans le tableau de notes. Alors, la méthode d'évaluation, il existe trois méthodes d'évaluation. L'évaluation simple et directe, c'est la méthode la plus courante, c'est celle où l'on accorde une note ou une cote à l'étudiant. Guide d'évaluation, c'est une méthode avancée, c'est une méthode d'évaluation critériée. On y définit un certain nombre de critères d'évaluation, valant chacun un certain nombre de points. Au moment d'évaluer le devoir, on ajoute un à un les critères avec le nombre de points que l'on accorde à l'étudiant pour ce critère. De même que des commentaires qui sont optionnels en fin de compte. La deuxième méthode, c'est la grille d'évaluation. C'est aussi une méthode avancée. C'est la façon d'évaluer par échelle descriptive. Moodle fournit un outil pour bâtir de telles échelles directement dans Moodle et pour évaluer les travaux des étudiants avec cette échelle qu'ils peuvent ensuite consulter. L'option catégorie de notes. Si vous avez créé des catégories de notes dans le tableau de notes, vous pouvez indiquer à quelle catégorie le devoir appartient avec ce paramètre. L'option évaluation à l'aveugle. Si vous activez l'évaluation à l'aveugle, Moodle cachera l'identité de l'étudiant dans le tableau des remises jusqu'à ce que vous ayez entré les évaluations. Il n'est plus possible de changer ce paramètre une fois qu'un devoir a été remis ou qu'une évaluation a été rendue.
Note pour passer. Ce réglage détermine la note minimale pour passer. La valeur est utilisée dans l'achèvement d'activités et de cours, ainsi que dans le carnet de notes, où les notes supérieures sont en vert et les notes inférieures sont en rouge. Elle est obligatoire, cette note pour passer, quand on a choisi le paramètre automatiquement jusqu'à réussite de réouverture des travaux remis. Avec automatiquement jusqu'à réussite, le travail est réouvert automatiquement jusqu'à ce que l'étudiant atteigne la note nécessaire pour réussir le devoir en fonction du nombre maximal de tentatives permises. Utiliser les flux d'évaluation. Alors, quand ce réglage est activé, l'évaluation passera par différentes étapes d'un flux de travail avant d'être publiée pour les participants. Ce processus permet une évaluation en plusieurs tours, ainsi que la publication simultanée des évaluations de tous les participants, ce qui est une option intéressante pour ne sortir les notes que lorsqu'on aura terminé toutes les évaluations. L'option utiliser l'attribution d'évaluateur. Ce réglage ne peut être activé qu'en choisissant oui pour les flux d'évaluation. Alors les évaluateurs peuvent être attribués à des participants. Alors dans le bloc réglage courant, vous avez la première option visible. Cette option permet d'afficher ou de cacher le devoir aux étudiants. L'option numéro d'identification. En définissant un numéro d'identification, vous fournissez un moyen d'identifier une activité. Si vous voulez effectuer des calculs avec les notes, ben c'est cette identification qui va servir pour ce calcul. Si l'activité n'est utilisée dans aucun calcul de notes, le numéro d'identification peut être laissé vide. Mode de réglage. Ce réglage a trois options. Pas de groupe, le premier. Le deuxième, groupe séparé. Alors là, chaque membre du groupe peut voir que son propre groupe et les autres groupes étant invisibles. Groupe visible, chaque membre du groupe travaille uniquement dans son propre groupe, mais peut aussi voir les autres groupes. Le mode de groupe défini au niveau du cours est le type par défaut pour toutes les activités du cours. Chaque activité qui se porte, les groupes peuvent définir son propre mode de groupe toutefois. Si dans le cours, le paramètre imposer le mode de groupe a été choisi, le mode des groupes définis dans les activités sera ignoré. L'option groupement. Si vous avez activé un des deux modes de groupe au réglage précédent et que vous avez plusieurs ensembles de groupes dans des groupements distincts, vous devez spécifie ici dans quel groupement le devoir va puiser des groupes. Alors, dans le réglage restreindre l'accès, on peut faire un jeu de restriction utilisant le profil de l'utilisateur, ou la date, ou la note, ou une combinaison de ces trois paramètres. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour faire des restrictions d'accès à cette activité. Alors, il est même parfois important, surtout lorsque on paramètre des devoirs de groupe ou groupement, de restreindre l'accès de manière à ce que seuls des groupes ou groupements concernés voient l'activité dans le cours. C'est aussi un autre type de restriction. Alors pour utiliser ces restrictions-là, il faut cliquer sur « Ajouter une restriction » et choisir le type de restriction. Vous allez dans la fenêtre avoir des possibilités de choix et puis fixer les éléments ou les contraintes de restriction que vous voulez imposer. En dernier lieu, vous avez le bloc compétences, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'au préalable, l'administrateur active le module compétences sur le site. Les compétences doivent avoir été préalablement ajoutées au cours. À ce moment-là, on peut jouer sur les compétences pour indiquer qui sont atteintes, quelles sont atteintes, et puis on demande la preuve, par exemple, de ce qui a été fait, la validation des compétences, etc. Plusieurs options se trouvent là-dedans. Voilà, donc avec cela, on aura fait un parcours complet de tout le module devoir,
tout le paramétrage d'un devoir. Merci de votre attention.